Dans le petit village du Québec où grandissait le jeune garçon que j'étais, deux cérémonies étaient obligatoires. La messe du dimanche et le samedi, la soirée du hockey. Mazdel et Richard. Voilà la mise au jeu. La caoutchouc passe de Mazdel à Blake. Blake se rend jusqu'au centre de la glace, s'approche de l'échec par Émile Bouchard qui reprend la rondelle. Les deux se bousculent le long de la clôture. Et l'arbitre siffle un hors-jeu. 33 secondes dans cette troisième période est toujours Canadien 2, Toronto 2. La rondelle est mise au jeu. Émile Bouchard reçoit la rondelle à la ligne bleue. Il lance vers le filet de Brodal, le disque est pris par Stewart. Qui à son tour lance le caoutchouc à la ligne bleue. Et c'est Blake qui reçoit la rondelle. Il passe à Mazdel. Mazdel à Richard. Richard lance. Et go! Maurice Richard. C'est maintenant 3 à 2 pour le Canadien. Alors qu'il ne reste plus que 14 secondes à jouer en troisième période. Maurice Richard avec des passes de Blake et Mazdel. Plusieurs joueurs du tricolore sont sur la glace pour féliciter Richard. Je me souviens très bien de l'hiver de 1946. Nous portions tous le même uniforme que Maurice Richard. L'uniforme bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe de hockey au monde. Tous, nous peignons nos cheveux à la manière de Maurice Richard. Et pour les tenir en place, nous utilisions une sorte de colle. Beaucoup de colle. Nous lassions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous mettions le ruban gommé sur nos bâtons à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ses photographies. Vraiment, nous savions tout à son sujet. Sur la glace, au coup de sifflet de l'arbitre, les deux équipes s'élançaient sur le disque. Nous étions 5 Maurice Richard contre 5 autres Maurice Richard qui nous arrachions le disque. Nous étions 10 joueurs qui portions avec le même brûlant enthousiasme l'uniforme des Canadiens de Montréal. Tous, nous avions au dos son très célèbre numéro 9. Un jour, mon chandail des Canadiens de Montréal était devenu trop étroit. Il était déchiré ici et là, troué. Ma mère me dit, « Avec ton vieux chandail, tu vas nous faire passer pour des pauvres. » Et elle fit ce que faisait chaque fois que nous avions besoin de vêtements. Elle commença par feuilleter le catalogue que la compagnie Eaton nous envoyait par la poste chaque année. Ma mère était fière. Elle n'a jamais voulu nous habiller au magasin général. Seule pouvait nous convenir la dernière mode du catalogue Eaton. Ma mère n'aimait pas les formules de commande incluses dans le catalogue. Elles étaient écrites en anglais et il n'y comprenait rien. Pour commander mon chandail de hockey, elle fit ce qu'elle faisait d'habitude. Elle prit son papier à lettres et elle écrivit de sa douce calligraphie d'institutrice « Cher Monsieur Eaton, auriez-vous l'amabilité de m'envoyer un chandail de hockey des Canadiens pour mon garçon Rock qui a 10 ans et qui est un peu trop grand pour son âge et que le docteur Robitaille trouve un peu trop maigre? Je vous envoie 3 piastres et retournez-moi le reste s'il en reste. » J'espère que votre emballage va être mieux fait que la dernière fois. Monsieur Eaton répondit rapidement à la lettre de ma mère. 2 semaines plus tard, nous recevions le chandail. Ce jour-là, j'eus l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Au lieu du chandail bleu, blanc et rouge des Canadiens de Montréal, M. Eaton nous avait envoyé le chandail bleu et blanc,
avec la feuille d'érable au-devant, chandail des Maple Leafs de Toronto. J'avais toujours porté le chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal. Tous mes amis portaient le chandail bleu, blanc, rouge. De plus, l'équipe de Toronto se faisait terrasser régulièrement par les triomphants Canadiens. Les larmes aux yeux, je trouvais assez de force pour dire « Je porterai jamais cet uniforme-là. » « Mon garçon, tu vas d'abord l'essayer. » Si tu te fais une idée sur les choses avant de les essayer, mon garçon t'ira pas loin dans la vie. Je pleurais. Je pourrais jamais porter ça. Pourquoi ce gendail-là te va très bien? Comme un gant? Maurice Richard se mettrait jamais ça sur le dos? T'es pas Maurice Richard. Puis c'est pas ce qu'on se met sur le dos qui compte. C'est ce qu'on se met dans la tête. Vous ne me mettrez jamais dans la tête de porter le chandail des Maple Leafs de Toronto. Ma mère eut un gros soupir désespéré. Elle m'expliqua. Si tu gardes pas ce chandail qui se fait bien, il va falloir que j'écrive à M. Eaton pour lui expliquer que tu veux pas porter le chandail de Toronto. M. Eaton, c'est un Anglais. Il va être insulté parce que lui, il les aime, les Toronto. S'il est insulté, penses-tu qu'il va nous répondre très vite? Le printemps va arriver et t'auras pas joué une seule partie. Juste parce que tu auras pas voulu porter le beau chandail bleu que t'as sur le dos. Je suis donc obligé de porter le chandail des Maple Leafs. Quand j'arrivais à la patinoire, avec ce chandail-là, tous les Maurice Richard en bleu, blanc et rouge s'approchèrent pour regarder ça. Au coup de sifflet de l'arbitre, je partis prendre mon poste habituel. Un chef d'équipe vint me prévenir que je ferais plutôt partie de la deuxième ligne d'attaque. À la troisième période, j'avais pas encore joué. Un des joueurs de défense reçut un coup de bâton sur le nez. Il saignait. Sauté sur la glace. Mon heure était venue. L'arbitre siffla. Il m'infligeait une punition car il prétendait que j'avais sauté sur la glace quand il y avait encore 5 joueurs. C'était trop. C'était injuste. C'est de la persécution. C'est à cause de mon chandail bleu. Je frappai mon bâton sur la glace si fort qu'il se brisa. Soulagé, je me penchai pour ramasser les débris. Me relevant, je vis le jeune vicaire en patin devant moi. Mon enfant, ce n'est pas parce que tu as un petit chandail neuf des Maple Leafs de Toronto, au contraire des autres, que tu vas nous faire la loi. Un bon jeune homme ne se met pas en colère. Enlève tes patins et va à l'église demander pardon au bon Dieu. Avec mon chandail des Maple Leafs de Toronto, je me rendis à l'église. Je priai Dieu. Je lui demandai qu'il m'envoie immédiatement des centaines, des millions de mites pour dévorer mon chandail des Maple Leafs de Toronto.